Les caravanes arrivent au compte-goutte depuis ce matin sur ce parking C, proche du ring et situé à Grimbergen. Les derniers arrivés ont été évacués d'un terrain à Vilvoorde et ils se retrouvent ici bien malgré eux. En tout, une trentaine de gens du voyage, de plus en plus méfiants. Ils préfèrent d'ailleurs ne pas être filmés. Est-ce que vous allez partir ? Oh non, on n'a pas le choix, on doit attendre notre femme qui est à l'hôpital. Dès que la femme va mieux, on va la sortir, peut-être Dieu voulant, et on va partir. Et nous, on est là pour 12-13 jours, pas plus, quoi. Mais depuis ce midi, la police de Grimbergen rôde. L'organisateur de salon, Bruxelles Expo, qui est aussi le propriétaire de ce parking, avait introduit hier au tribunal une demande d'expulsion. Une demande qui a été jugée recevable. Le parking doit donc être évacué avant ce soir. Vous comprenez qu'on veut tout le temps vous mettre dehors? Est-ce que vous comprenez ou pas? Je ne comprends pas ça. Je ne peux pas comprendre ça. Pourquoi? C'est impossible, ça. De nous faire à chaque fois comme ça. Vous venez... Les gens comme les autres humains aussi. C'est tout. On n'est pas des bêtes. Depuis la fermeture d'un terrain à Rennes, rue de la Grenouillette, les gens du voyage ne disposent plus pour l'instant de terrain officiel en région bruxelloise. Quant au responsable de Bruxelles Expo que nous avons contacté, il rappelle que ce parking est privé et doit rester disponible pour les visiteurs des salons. En ce moment se tient Horeca Life et un autre salon international doit ouvrir ses portes le 24 septembre.